Salut les gens, c'est Gotou Souple et on se retrouve pour l'épisode 2 de One Piece Pirate Warriors 3. Donc on va directement commencer en mode légende. Et du coup je suis désolé pour l'épisode 1 où on entendait limite que le jeu et vous n'entendiez même pas du tout ce que je disais. Bon, même s'il y a des gens, je pense que ça n'aura pas dérangé de pas m'écouter. Hein. La connexion au réseau a été perdue. Ok, c'est pas bien grave. Donc le prologue, on l'avait fait aux prises avec Baggy et ses hommes. Suivant. Ah, alors là on prend soit Luffy soit Zoro. Bah je vous propose qu'on va prendre Zoro, prendre le large. Alors, on en était où? Équipage de Baggy, ok, tac tac. Démarrage de la bataille. Donc du coup, je sais pas, j'ai pas encore résolu le problème du coup cette tournée. Donc ok, ça c'est une attaque avec carré, avec triangle. Ok, ça fait ça. Si on fait une fois carré et après que du triangle, ok. Deux fois carré et triangle. Si on fait une fois triangle et que des carrés. Si on fait une fois triangle et deux carrés. Ah, je sais. Triangle. Ok. Ok, déjà. L1. R1, ça fait quoi? Ok. Bon, ça a pas l'air de faire grand-chose, le reste. On va tous leur régler leur compte. Ah voilà, c'était ça que je voulais vérifier. Oh bah non, c'est pas ça. Allez. Tac. Tac. Ah d'ailleurs, désolé si vous... Bah du coup, normalement, je suis censé avoir résolu les problèmes de son. Vous êtes plus censé entendre le jeu. Mais parce que du coup, sinon, on m'entend pas. Donc c'est pour ça. Sinon, bah dites-moi si vous voulez entendre que le son et pas me voir. Hein, ça me dérange pas. Merde, là, j'ai pas fait la bonne technique. Là, ça, c'est très efficace avec Zoro. Ça attire tous les ennemis. Et puis, je peux les tuer tranquille. Donc, hop là. Personne là? Ah si, là. Alors. Hop là. Tac, 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 tac. Hop là, ça c'est fait. Hop là. Ça c'est fait. Hop là. Bon, hein, je pense que ça va être rien qu'avec Zoro et Luffy, je pense que je vais jouer. Hein, parce que le reste de l'équipage, on le fera dans des autres modes de jeu. J'irai en mode libre pour tester ses attaques. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré de l'équipage de Luffy. Ou même dans One Piece tout court. Hein. Que moi personnellement mon personnage préféré dans l'équipage de Luffy c'est Chopper. Il est trop mignon. Alors il est où le boss de la zone? Voilà, on va le tuer. Moulinet infernal ça s'appelle. Hop là, territoire pris. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on doit faire quoi d'autre? Ah, un autre bonhomme là, tu es. Tac, 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 tac. D'ailleurs, désolé pour les bruits. Parce que j'ai encore oublié de vérifier d'ailleurs si on entendait ou pas les touches de manette derrière. Alors, tac. Hop là, il est mort. Hop là. Et du coup, s'il y a des coupeurs de temps en temps, c'est normal, c'est parce qu'il y a les cinématiques, ça ne les met pas, ça les coupe. Donc du coup, j'essaye de me dépêcher de les enlever. Hop là. Oh, calme hein, le boss là, enfin le mini-boss du moins. Je suis même pas sûr que ce soit un mini-boss. Hop là. Alors, L1, R1 je veux dire. Hop là, ça c'est fait. Bon allez, on va essayer d'aller dégommer ce qu'il faut dégommer aussi. Ça serait plutôt pas mal. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, le perso enfin Roronoa Zoro est plutôt pas mal. J'aime bien. Ok, Kizuma Rush. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que là, on fait 10 fois plus mal normalement. Ah non, en fait. D'accord, je pensais, mais non. C'est juste que ça fait vibrer à mort la manette.
Ah voilà, là c'est stylé par contre. Ok, alors tout ça, on va jarter la zone. Hop là. J'essaie de jarter tout ça. Alors. Oh, canon 300 désir. C'est déjà pas mal. Bon, ça va, on a limite déjà déglingué le machin. Ouais, bah c'est bon, là je pense qu'on aura capturé la zone. Même pas? Bah punaise, c'est-à-dire que moi je pensais qu'on allait la capturer. Et hop là! Le territoire est pris. Tac, où est-ce que je dois aller? Il y avait un point d'interrogation ici, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. En bas aussi sur la map, il y a un point d'interrogation. Oui, un point d'interrogation, on va aller voir ce qu'il y a. Et je vais mettre le chronomètre parce que la dernière fois je pensais que ça faisait au moins 30 minutes que j'étais en vidéo, mais en fait non, pas du tout. Donc du coup, bah là je suis sûr. Tac, tac, tac. Et hop là. Merde, ça l'a pas touché. Wow. Allez, ça c'est fait. On va dégommer tout ça. Merde, il en reste la moitié. Même pas, il en reste plus. Alors, chasse au trésor. Ok. Du coup, je l'ai passé direct hein, parce que je voulais continuer à jouer et vous faire la vidéo. Encore une autre cinématique. Et cette fois-ci, il y a Alvida qu'on va aller tuer. Qui se trouve en bas. Bah, on va aller l'exterminer celle-là. Attends, elle est là, voilà. Alors, je crois qu'elle va y passer. Tac, 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 tac. Oh, prix très cher. En plus, j'ai dégommé la moitié de ces soldats. Et hop là! Et hop là, qui tout ma rush. Ah, tu veux te battre, Alvida? Hein. Hop là, ça c'est fait. Oh, mais vous m'énervez là, vous! Technique à 3 sables et gum. Canon 300 désir, voilà. D'ailleurs que je trouve plutôt pas mal. Ah, en haut, il y a de la baston. Bah, Alvida et compagnie. Bah, Alvida, c'est fait, mais le compagnie, je sais pas qui c'est. Hein. Ah, Nami a commencé à avancer vers le territoire Big Tob. Et ben, on verra après. J'ai un ami qui m'appelle sur Skype, sauf que là, je peux pas trop regarder. Alors, et à quelle c'est quelle heure d'ailleurs? 17h45. Bon, à mon avis, hein, vous ne la verrez pas à 17h45 la vidéo sortir. Parce que là, je la poste le mercredi à 17h45. Enfin, je la fais le mercredi à 17h45. Mais je vais la poster le lendemain. Parce que j'ai déjà posté une vidéo aujourd'hui. Hop là, ça c'est fait. Tac 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 tac, hop là. Hop là. Hop là. Hop là, ça c'est fait. En fait, je crois qu'il faut aider Nami à avancer. Je crois que c'est ça le truc. Bah, Alvida et compagnie, ouais. Les alliés inspirent par le fil. Trophée obtenu, sauve-moi, roi du tir. Alors là, normalement, il est censé y avoir des ennemis. Ah oui, un petit paquet. Qui va mourir en 2 secondes. Et hop là! Voilà, ça c'est fait. Vas-y, Nami, tu peux avancer. Ah oui, Nami, il faut qu'on l'emmène vers le bateau de Baggy parce qu'elle va le piller normalement. Ok, ça c'est fait.
Maintenant, on va aller là-haut parce qu'il y a une croix bizarre. Alors, mission réussie. Ah bah tiens, bien fait d'être là. Alors, on va faire le Kizuma. Enfin, par contre, on va plutôt frapper là, d'abord. Ouais, en fait, on va faire le Kizuma. Alors, normalement, dans cet épisode-là, on va devoir battre Baggy. Bon, personnellement, je sais pas si des gens aiment bien Baggy, mais moi, je ne l'aime pas trop. Pas parce que c'est un méchant ni rien, c'est juste, j'aime pas trop à quoi il ressemble. Je sais pas, c'est Baggy le clown, mais bon, clown méchant, il est nul. Enfin, nul. Dans la série, il est nul, hein, du moins. Encore une scène qui a été bloquée. Bon, c'est pas bien grave. Bon, maintenant, je dois aller où? Je pense que je vais... Ah ouais, voilà. J'étais sûr qu'il fallait que j'aille là-bas. Puis on va les intercepter. Parce que là... Eh oh, oh, je suis là, hein, les gens. Alors ça, on va les tuer. Parce qu'ils vont me déranger, sinon. Hop là. Et hop là. Ah, lâchez-moi les basques. Tac, tac, tac. Hop là. Hop là, ça c'est fait. Tac, 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 tac. Maintenant, on va aller s'occuper de la zone. Il n'y a personne à la zone. Comment est-ce que tu veux que je... Ah d'accord, si en fait il y a du monde, c'est juste qu'ils sont tous là. Alors... Ils ont osé me mettre à terre. Hein. Mais oh! Ils m'énervent avec leur lance-roquette. Il n'y a pas d'ennemis presque. C'est chiant parce qu'ils se regroupent pas, donc du coup je peux pas trop faire mon attaque ulti. Enfin, mon attaque spéciale. Mais oh, punaise, ça m'énerve. Allez, hop là, hop là. Hop là. Il est où le chef? Oh là là, il va mourir le chef. Place de l'artillerie centrale. C'est bon, on l'a capturé. Alors, je pense qu'il va falloir que j'aille là maintenant. Les boulets de Baggy se sont arrêtés. Ah bah enfin, il commence à m'énerver. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Abri d'évacuation. Même si c'est dirigé sur le territoire d'abri d'évacuation. Ok, Zoro a pris le territoire, place de l'artillerie centrale. Comme si j'allais te laisser filer, ne crois pas pouvoir ruser avec moi. Ouais, ah voilà, c'est bon, ça s'ouvre. Qui t'a dit que je voulais filer, moi? J'ai jamais dit que je voulais me barrer. Moi, je veux te tuer, Baggy. Enfin, te tuer. C'est pas te tuer qui m'intéresse, c'est surtout de me démonter. Pareil. Hop là, lui c'est fait. Ah, il m'a pris. Hop là, terminé. Ah, Alvida, par contre, ça, je m'en occupe. Ah, il y a aussi un gros machin là. Faut que je tue. Babagui et compagnie. En fait, Elvida, je sais pas trop où elle est. Baggy, je sais que c'est dans le territoire qui est tout à gauche, que je ne peux pas encore aller. Ça ne m'arrange pas tellement. Alors, on va tuer ça. On va essayer de capturer le territoire. Et hop là.
Tac 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 tac. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Hop là. Ça c'est fait. Maintenant on va aller dégommer Alvida. Alvida, j'arrive. Tu vas souffrir. D'ailleurs, il y a aussi un manga que j'aime bien, ça s'appelle Dreamland. C'est le monde des rêves en fait. Comme l'indique le nom. Et en fait, c'est un manga, en fait, c'est un jeune homme qui a battu sa. Enfin, c'est un homme, un petit homme, un jeune homme, voilà, un lycéen, qui essaye d'avoir son bac et qui a vaincu sa peur du feu et du coup qui est devenu un voyageur. Non, en fait, je ne vais pas vous parler de Dreamland parce qu'on n'est pas dans le sujet là. En fait, du coup, si vous préférez, c'est juste. C'est un lycéen, voilà, il a battu sa peur du feu. Et du coup, il s'est devenu un voyageur. Et s'il bat sa peur du feu, il est devenu un voyageur du feu. Comme dans l'histoire, à un moment, il y en a un qui a. C'est Shun, il a battu sa peur du froid. Du coup, il est devenu un voyageur de glace. Un truc comme ça. Il y a Savan aussi qui est devenu un voyageur du vent, je crois. Je sais pas si c'est du vent, mais je crois que c'est ça. Après il y a du coup voilà c'est un et toutes les nuits quand ils s'endorment ils vont à Dreamland en fait ça les téléporte dans Dreamland et c'est le monde des rêves, il y a des méchants, des gentils et ils peuvent mourir dans le monde de Dreamland sauf que ça les fera pas mourir dans le monde normal et par contre si ils meurent dans le monde de Dreamland ils se souviendront même pas qu'ils ont été un voyageur en gros qu'ils sont allés aussi dans le monde de Dreamland ils se souviendront même pas qu'il existe et du coup comment dire? Ça fait que ce seront plus des voyageurs et quand ils vont se dormir, ils font des rêves normaux. Et d'ailleurs, le rôle, enfin la voix qu'il a choisie, Terence, là, ou Terence comme vous voulez, le héros du manga, il a choisi de protéger les rêves des autres gens. Parce que oui, du coup, on voit les rêves des autres gens. Et du coup, c'est plutôt pas mal. J'aime bien comme manga. Et d'ailleurs, oui, Terence aime une fille, sauf qu'à un moment, il avait un carnet et tout. Je ne veux pas vous raconter la suite. Je ne veux pas vous spoiler, si vous connaissez et vous n'êtes pas encore là. J'en suis qu'au tome 3. Hein. Parce que moi, je lis le livre, je regarde pas la série. Bon, allez, non, on doit battre Baggy et compagnie. À mon avis, c'est si je bats Baggy. Bon, allez, voilà. On est contre Baggy et on va essayer de le dégommer. Hop là. Il m'énerve là. Tu l'auras voulu, Baggy. Tac, 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 tac. Allez, relève-toi, Baggy, s'il te plaît. Alors, tac. Hop là. Il a encore perdu une barre de vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est où là? Allez, viens là. Bon, allez, il va prendre très cher là. Hop là. Merde, il esquive l'attaque. Tac 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 tac. Oui, c'est vrai que Baggy il a un fruit du dé il a mangé un fruit du démon. Et qui c'est le fruit de la fragmentation, un truc comme ça. Et il peut diviser son corps en plein de morceaux. Voyez donc. Et voilà. Terminé. Oh, ça va, c'était pas très compliqué. Action ajoutée pour carré, triangle, triangle. Ok. Ouais. Ouais. Ok, on a un bout d'Alvida et un bout de Nami. Baggy à qui? Il y a une technique d'Alvida à qui? Ok, tac. 1, 2, 1, 2, 4, 5. Oh, parfait. 3, 4, 5. Parfait! L'ajout d'attaque spéciale est déjà à level 2. Alors, dans l'ajout d'attaque, celui que vous voyez, c'est Bluno, celui qui est à droite, l'un des membres du Speed Knight. Et celui de gauche, c'est l'agent.
C'est Mr. One du Baroque Works qu'on sera contre Crocodile. En haut, il y a Zoro et à côté, c'est Tashigi. Juste en dessous, c'est Dungrig, un ennemi redoutable, contre Octi, un homme poisson. Juste en dessous, c'est Alvida, comme vous l'avez vu. Et à côté, il y a Kuro. Du coup, juste en dessous, on l'a vu. Et encore en dessous, il y a encore Octi. Mais à côté, il y a Smoker, un homme fait de fumée, en gros, si vous préférez. Baggy est à présent sélectionnable dans le mode libre et le mode rêve. Ok. Un nouvel élément est disponible dans la galerie. Ok. Un nouvel élément a été ajouté à la boutique Berry. Sauvegarde. Bon bah. Oh bah tiens, trophée obtenu. Je vais vous vaincre. Ok. Connexion. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve à la prochaine pour faire le machiavélique Capitaine Kuro. D'ailleurs, on parlait de Kuro là juste avant. Donc moi, je vous dis à la prochaine et bye bye!